Le directeur local, conseiller spécial du candidat Denis Sassou Nguesso, Jean-Marc Tister-Tikaya, a tenu ce jeudi 18 mars un rassemblement des jeunes de l'arrondissement de Mvumvu au sein de l'école 31 juillet, dans le but de les sensibiliser sur la présidentielle du 21 mars. Autour de lui, on a trouvé une équipe mobilisée, à savoir le directeur adjoint de la campagne, Florent Paca, le chargé de la communication et d'éthique, Jean-Paul Mundele, le chargé de l'organisation, Emilien Bungu, bref, sans compter les partis politiques et associations. C'est dans cette atmosphère festive que le directeur local du candidat Denis Sassou Nguesso, Jean-Marc Tister-Tikaya, a adressé un mot à l'endroit des jeunes. C'est que chacun aille auprès des chefs de quartier, auprès des chefs de bloc, pour récupérer leur carte d'électeur. Vérifiez bien que les noms soient sur la liste. Ça ne sert à rien qu'on ait 5000 personnes ici et qu'il n'y a que 20-30% qui votent. Tout le monde doit aller aux urnes, particulièrement nos jeunes qui sont les plus nombreux. Donc, le travail que nous faisons aujourd'hui et le travail que nous allons faire jusqu'à la fin de la campagne, c'est un travail de sensibilisation, c'est un travail de proximité. Nous devons quadriller la circonscription, parcelle par parcelle, rue par rue, de façon à ce qu'on aide aussi nos mamans et nos papas qui ne peuvent pas se déplacer, mais il faut qu'on les aide à aller faire leur devoir, accomplir leur devoir citoyen. Tout en rappelant le symbole de son candidat, Jean-Marc Tister-Tikaya a également annoncé la stratégie d'approche des citoyens par la même occasion, signifiant leur devoir. J'ai dit tout à l'heure à nos jeunes que le logo du candidat, c'était l'éléphant. Je leur ai dit que c'était le Nzoko, c'était le Nzaou. Donc on n'est pas là pour chercher un logo du RDPS, du MAR, du PCT, du Club 2002 Pur, du MCDI, d'autres partis. Nous sommes la majorité présidentielle. Et notre candidat a son logo, c'est l'éléphant. C'est sur ces mots, votons le candidat Denis Sassou Nguesso qu'il a fini sa communication.